Lali. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette cuillère de crème fraîche dans la bouche? Ben, je goûtais, c'est tout. Mais Lali, mais je croyais que t'étais au régime. Mais je goûtais, c'est tout. Oh. Et là, dans cette casserole, c'est quoi, c'est ce brouillé, là? C'est parce que j'avais faim. Alors, je vais pas me laisser mourir de faim, quand même, non? Avec tout ça, tu risques pas, hein, je te rassure. Bon. Et bonjour les kilos, hein. Mais ça va. C'est pas à peine de faire tout un plat. Y a que 3 ou 4 œufs là-dedans. Y a pas beaucoup de calories. Les additions, tu connais? Tu sais que 2 et 2 font 4. Et les calories, c'est pareil. Alors, je te rappelle, les toasts de ce matin, recouverts de beurre et de confiture, maintenant la crème fraîche que tu goûtais, plus les œufs brouillés que t'es en train de te préparer. Non, mais tu trouves pas que ça fait un peu beaucoup, Lali? D'accord. Eh ben, je mangerai pas à midi, voilà. C'est tout. Puis ils ont l'air bons, en plus. Ça suffit. Ce sont mes œufs brouillés. Égoïste. Je sens bien, hein. T'aurais fait ça en moi dans les fesses, hein. Tiens, tu veux? Non, j'en veux plus. On va aller au boulot maintenant. Tu fais ta lessive? Bah ouais, faut bien. Mais dis donc. Mais c'est toi qui mets ce genre de caleçon? Mais non, mais ça c'est à José. Ah. Oh, je t'en prie. Bon, toi c'est toi qui fais la lessive de José maintenant. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Ça fait 2 ans que je suis avec José et c'est le genre de mauvaise habitude que je lui ai donnée. Non, mais t'es complètement folle. Moi, ça fait à peine quelques jours que je vis avec Sébastien et bah jamais il ne me demandera de faire un truc pareil. Mais pourquoi? Mais parce que je trouve ça particulièrement dégradant de laver le linge de quelqu'un d'autre, c'est tout. Oh. Pas du tout. Surtout pas quand on est amoureuse. Moi, je trouve ça hyper romantique de lui laver son linge à mon José. Toi, tu trouves ça hyper romantique. Et moi, je trouve ça ridicule. Non, mais attends, Lali, mais y a rien de ridicule quand on est amoureux. On fait simplement des petits trucs bizarres de temps en temps, mais bon, c'est tout, hein. Bon, bah, d'accord, écoute, c'est comme tu veux. Hein. Ça, c'est ton problème. De toute façon, ça m'en garde pas du tout. Bon, bon, allez, moi, je m'y remets, hein. Tu veux un coup de main? Bah oui, je veux bien que tu m'aides à trier le blanc et la couleur. D'accord. Alors, dis donc, mais elle est super cette chemise. Ah bah oui, tu parles, c'est sa préférée celle-là. Il l'a achetée il y a 6 ans aux États-Unis. Il n'arrête pas de la mettre. Ouais, je crois que je l'ai déjà vue avec. Bah oui, mais tu vois, le problème, c'est que les couleurs commencent à se passer là, tu vois. C'est dommage. Bah attends, c'est normal, t'as vu le lessive que tu utilises? Bah quoi? Bah elle est complètement nulle. Bon attends, bouge pas. Ah là là. Voilà pour toi, regarde. Bah c'est de la lessive. Mais non, ça c'est zéro. Et alors? Ça revient au même, la mienne elle est bien ma lessive aussi. Mais non, c'est pas du tout la même chose. Bon, t'as pas fait la pub à la télévision? Bon, d'accord. Zéro, c'est une lessive extraordinaire, révolutionnaire. Elle lave plus blanc que blanc et elle ravive les couleurs. Ah bon? Oui, non, mais c'est vrai. Il paraît que c'est un truc génial, que ça lave vraiment bien. Je l'ai acheté hier dans l'hypermarché. Oh non, mais Lali, mais tu crois ça, toi? Mais oui, mais t'as qu'à essayer. Bon, bah, d'accord. Allez. Lali, mais tu nous vois toutes les deux, on dirait qu'on est en train de faire une pub de lessive. Alors vous voyez, mademoiselle Bénédicte, lorsque votre linge est un peu terne, utilisez zéro, suivez les conseils de mademoiselle Lali. Votre blanc sera plus blanc que blanc. Oui, et les couleurs seront ravivées. Oh. Bon, qu'est-ce qu'il fait, José? Il vient répéter aujourd'hui ou quoi? C'est parti faire une course, il va arriver. Et quel genre de course? Il est allé acheter du papier peint pour tapisser sa chambre. C'est vrai. Mais non, écoute, tu vois José coller du papier peint pour tapisser sa chambre. Il a déjà du mal à déballer ses cartons, imagine. Ah, et le nom du papier peint, on le connaît? Et vous, avec la maison, comment ça se passe? Bah, jusqu'à présent, ça se passe très bien. Bah ouais, on s'est pas encore battu. Et vous, la vie de célibataire, ça se passe comment? Oh, pour l'instant, ça va. Enfin, j'espère rencontrer une fille sympa bientôt, parce que c'est quand même cool d'être amoureux. T'inquiète pas, ça va bientôt t'arriver. Oh, et puis moi, entre la musique la journée et mes pizzas le soir, j'ai trouvé un certain équilibre. Non, mais toi, ce sera pareil, Olivier. Tu vas tomber dans le piège comme nous, hein. Bah, j'espère bien, tu vois, parce qu'au fond de moi-même, je sais que je passe à côté de quelque chose. Il est là.
On a un cadeau pour vous. Qu'est-ce que tu fais, t'as pété dans les bras? Oh, vous allez voir ça, attends. C'est pour vous. Toi, t'es passé sous les électrochocs, tu nous fais des cadeaux, toi, maintenant? Ouais, ouais, regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Arrête de poser des questions, aidez-moi. Oh, waouh. Wow. Bête. Hein? 1000 watts, on plie 1000 watts. Vous allez voir, les oreilles, elles vont en prendre plein la figure. Tu veux dire 1000 watts, ça va nous exploser les oreilles, José, ça? Bah non, pourquoi? Non, mais attends, t'as vu notre local? Tu veux nous faire péter les murs ou quoi? Bah attends, on est pas obligé de mettre au volume à fond. À quoi ça sert alors? Eh ben avoir un son inimaginable. Enfin les mecs, vous savez bien qu'il faut avoir une réserve de puissance. Vous voulez être des pros, oui ou non? Ben ouais. Ben alors, on a des pros, du matériel de pros. Allez, on va le brancher, hein? On va le brancher. José, tu crois vraiment que c'est indispensable? Bah ben ouais, le nôtre il est pourri, attends. Allez, hop, hop, hop. On va voir ça, hop. On vous m'aide ou quoi là? Ouais. Bon, allez, on va voir ce que la bête a dans le ventre. Vas-y. Ah bah tu vas pas être déçu. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es en train d'inverser les entrées, là. Mais on est pas des bœufs, quand même. Dis donc, José. Super mignon, habillé comme ça. T'as laissé tomber tes chemises et tes gilets? Ah non, pas du tout. C'est Béné qui a décidé de faire les lessives aujourd'hui. Et comme elle a tout mis dans la machine, bah voilà, j'ai pris ce qu'il y avait dans le placard. Bon, c'est branché ou quoi, là? Ouais. Oui, c'est bon. Calme-toi, dis-moi à propos. C'est toujours Béné qui fait ta lessive? Bah ouais, pourquoi? J'aimerais bien une petite femme qui fasse ma lessive aussi. Ah ben moi j'en ai une, mon petit père. Ah, mais c'est joli ça. Vous allez être comme des coquempottes avec vos copines qui vont s'occuper de vous. Non. Non, moi je ne laisse pas Hélène s'occuper de mon âge. Je respecte beaucoup trop pour ça. Tu me diras, moi j'aurais trop peur que Lélie m'envoie un sac de linge sale en pleine figure. Ouais, je te vois bien faire ça, tiens. Ah bah monsieur, vous avez tort. Il faut exploiter le potentiel des filles à 100%. Ouais. Parce que leur faire la lessive, c'est exploiter leur potentiel à 100%. Bien sûr. 25% pour la lessive, 25% pour le ménage, 25% pour la cuisine. C'est évident. Il ne manque pas 25%. Non, ça c'est le personnel. Hein. Ouais. Tu vois, José, pour moi, le personnel, c'est 100%, et puis les tâches ménagères, je m'en occupe tout seul. Tu sais ce que je pense? C'est obsolète. Allez, on le met en marche. Bon, alors, vas-y, José. C'est bon. Tac, c'est bon là. Attends. C'est bon le courant là? Hop. Hop. Chut. Grand moment d'émotion. Feu. Bah t'as fini plus tôt aujourd'hui. Bah non, j'ai plus de cours. Mais bon, je rentre la tête aussi vite que quand je suis partie ce matin. Bah pourquoi? Mais parce que, bah rien de grave si tu veux, mais je sors d'un cours barbant, tu peux pas t'imaginer. C'est vrai que ça doit pas être toujours marrant la sociologie, hein. Mais si, au contraire, c'est passionnant. Sauf que là, on a un nouveau prof. Quand il donne ses cours, t'as l'impression qu'il récite un bouquin. C'est vrai que dans ces cas-là, autant rester chez soi et lire le bouquin bien au chaud, tu vois. Oui, Emma, c'est peut-être ce que je vais faire, parce que là... Non, il est chouette, hein, ton portrait de José. Bah écoute, il est pas encore terminé, donc on peut pas vraiment voir, mais bon. Bah si, c'est sympa déjà. Tu sais, je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de portrait de José. Il est quand même vachement mignon, non? C'est vrai, c'est un joli garçon. Ça t'embête si je m'assois et que je te regarde travailler? Ah bah non, vas-y. Oh, merci. Oh. Hélène, t'es rentrée? Ça va, toi? Ouais. Eh ben, ça y est, t'as fini ta lessive? Oh, ah, mais oui, j'avais complètement oublié ça. Bah attends, va t'aider. Bon, alors, il faut vite le faire sécher avant que José arrive, là. Bah attends, va t'aider, donne. Ah bah, fais attention, hein. Oh là là, c'est tout mouillé. Oh! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Oh là, mais regardez! Mais regardez le t-shirt jaune de José, il est tout délavé. Oh non, regardez son polo vert. Non, mais c'est une horreur. Tout était lavé. Oh, mais je vais me faire tuer par José, moi. Mais je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais je sais pas. Je suis sûre que c'est la lessive de la ligue. Comment ça s'appelle déjà ce truc? Zéro. Zéro, mais c'est tout cuit, regarde. Oh, t'es foutu. La belle chemise de José, regarde en quel état elle est. Oh non, mais regardez. Mais comment je vais lui expliquer ça, moi? Non, mais c'est une horreur, ce truc!
Ben, peut-être que ça lui plaira comme ça. Tu plaisantes ou quoi? Regarde, il y a plein de taches. Elle est presque blanche, cette chemise. Salut. Mais pourquoi vous faites cette tête-là? Il y a quelque chose qui va pas? Lali. Lali, tu m'avais bien dit que ton zéro l'avait plus blanc que blanc, c'est ça? Ben, tu t'étais pas trompée, regarde. Regarde ton travail. Bon, tu les trouves tes fusibles? Ça fait une heure qu'on est dans le noir. Grâce à toi, ouais. C'est grâce à moi, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si ces fusibles résistent pas à un ampli de 1000 watts. Bon, normalement, ça devrait être ça. Attention, José, t'as bien débranché l'ampli? Ouais, c'est bon, vas-y. Vous êtes prêts? Ouais. Et voilà. Ah. Super. Merci, Olivier, tu nous sauves la vie. Bon, je vais essayer de le brancher pour voir s'il marche. Oui, bah non. Peut-être pas maintenant. Pourquoi? Parce que t'as déjà fait sauter les plombs une fois ici. À la rigueur, essaye-le chez toi. Ah non, 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 surtout pas. On y habite, nous aussi. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Attendez, c'est peut-être rien, un petit problème de rien du tout, enfin. Oh, 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 attends, hey, oh, José, non, mais ça va pas, non? Attends, on vérifie au moins qu'il n'y a pas un court-circuit à l'intérieur de l'ampli, quand même. Non, 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 les fusibles en ont pris un coup dans la tête parce qu'ils n'avaient pas l'habitude. Mais maintenant qu'ils savent à quoi s'attendre, ça va rouler. Je vous ai dit, on a plus un adjet, en plus il marche très bien, je vois pas pourquoi on se complique la vie. Non, 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 celui-là il est super, il est génial. En plus, il a un son d'enfer. Hey, soyez sympa, soyez sympa. Hein? Je te préviens, si tu refais sauter les plombs, tu changes toi-même les fusibles. Mais d'accord, de toute façon, c'est pas la peine de sortir de l'ENA pour changer les plombs. Hein? Bon. Hein? Bah alors branche-la, ta merveille. Va voir. Eh, vas-y, t'as le câble à tes pieds. Allez, ça commence, non, non. Attends, mais tu peux quand même faire ça pour moi, hein. Sois sympa. Hein. Je vais la brancher, ta prise. Tu veux que je mette le bouton en marche? Non, 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 tu touches pas. Non, 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 je sais le faire. D'accord? Non, je sais le faire. Et d'abord, non, c'est mon ampli. C'est mon ampli. Et dire que quand il est arrivé, il nous a dit qu'il avait une surprise pour nous. Bah bien sûr que c'est pour nous, mais seulement c'est moi qui le fais marcher. C'est comme une heure qu'on attend, j'aimerais bien commencer à répéter. Bon, j'y vais. Tout le monde aux abris. Portez-vous. 1, 4, 12. Ben voilà, ça marche, c'est génial. On y va répéter. Bon, vous allez voir la pêche que ça va donner. Ouais, donc pas mieux d'essayer de jouer déjà pour commencer, hein. Bon, vous êtes prêts? Impeccable pour moi. Ok, c'est bon, on y va? Bah, allez. 1, 2, 1, 2, 3. Hé, 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 l'ampli, il y a la fumée. Oh, José, ton ampli. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il me fait, celui-là? Bravo, il est nul. Bravo, merci, José. C'est pas vrai. Tu vois, Hélène, je te l'avais bien dit, il n'y en a pas des chemises comme ça en France. Mais écoute, on a fait 4 ou 5 boutiques, c'est tout. Mais non, mais il l'avait acheté aux États-Unis, celle-là. On n'en trouvera pas ici, c'est sûr. Mais attends, il y a Lali et Adeline qui sont partis voir de leur côté. Ils ont peut-être eu plus de chance que nous. Bon, Lali, c'est tout. Hein? Oh là là là. Mais il va m'égorger, José, quand il va voir dans quel état est sa chemise. Mais non, je serai là. Et puis bon, il va bien falloir qu'ils comprennent que ça peut arriver à tout le monde. Mais ouais, mais ça se voit que tu le connais pas. Ses vêtements, pour lui, c'est presque aussi important que ses cheveux. Non, mais t'imagines. Et non. Cette chemise, mais tu peux pas savoir à quel point il y tenait. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, hein? Et puis il y a des choses plus graves, non, tu crois pas? Mais oui, je sais. Mais il va faire comprendre ça à José, mais tu sais très bien qu'il voit pas plus loin que le bout de son nez, parfois. Oui, ben, il va falloir qu'il comprenne que de temps en temps, tout le monde peut faire des erreurs, hein? Et puis s'il est pas content, il avait qu'à laver lui-même son linge. Mais je sais, Hélène. Mais c'est moi qui lui ai donné ces sales habitudes, là. Je n'en m'en prendre qu'à moi-même, tu parles. Tout ça, c'est de ma faute. Bon, allez, arrête. Hein? Sinon, je vais finir par croire que t'es aussi borné que lui. Ouais. Mais... Ouais. Tiens, voilà les filles. Alors, vous avez trouvé? On a fait toutes les boutiques. Rien. Mais désolé, Béni, on a vraiment fait ce qu'on a pu. Non, mais c'est pas grave. J'ai plus qu'à prendre mon courage à deux mains et tout aller à vous à José, puis c'est tout. Oh, mais fais pas cette tête, il va quand même pas te manger. Bon, ok, c'est pas un monstre quand même, José. T'as qu'à faire comme moi. Moi, dès que j'annonce une catastrophe à Sébastien, je lui annonce en lui faisant un câlin. Et comme ça, il oublie. Oh, ben dis donc, il doit en avoir des câlins, Sébastien. Bah ouais, c'est plutôt bien, non? Bon, allez, tu vas lui en acheter une autre chemise. Mais non, mais ça passera jamais. Mais rien peut remplacer cette chemise pour lui.
Tiens, tenez, une fois j'ai eu la gentillesse de repasser sa chemise, je l'ai un petit peu brûlée en bas. Mais tu parles, il m'a crié dessus, il m'a fait une scène pendant 2 heures en me disant que j'étais folle d'avoir fait ça. Bon, j'ai une autre idée. Tout à l'heure, tu vas voir José. Oui. Bon, tu vas le voir, tu lui colles une grosse baffe, tu lui annonces la nouvelle et tu te casses en courant. Pourquoi veux-tu que je fasse ça, Lali? Mais parce que il va être super énervé à cause de la baffe. Et du coup, il aura oublié que tu lui as décoloré une chemise. Alors là, il y a vraiment que toi pour avoir des idées comme ça. Je suis un être exceptionnel. Oh oui. Bon. Eh ben, souhaitez-moi bon courage. Je vais affronter l'orage, hein. Bah, où tu vas? Bah, voir José au garage. Bon, allez, on va venir avec toi. On va t'aider, tu vas voir. Bah, Bénédicte, qu'est-ce qu'il prend? Il est même pas beau, ce garçon. Pourquoi tu regardes comme ça? Non, mais vous avez vu? Bah oui, il est vraiment moche, oui. Non, mais vous avez vu sa chemise? Mais c'est exactement la même que José. Celle des États-Unis. Espèce de malade, regarde, on en a partout, t'es fou, quoi. Non, mais ça va, franchement, on aurait pu y passer, quoi. C'est clair, on a bien failli finir comme des grands brûlés. Bon, attendez, faut pas exagérer, hein. Mais tu rigoles, José, t'as vu un peu la fumée qui dégage ton truc, on a failli être asphyxié, là. Bon, quoi, il a pris feu, on l'a éteint, faut pas traumatiser, quand même. Mais regarde, dans quel état on est, franchement. Non, mais c'est vrai, on dirait des ramoneurs. Merci, hein, José. Bonne journée. Heureusement que t'es là pour des moments pareils, toi. Bon, ouais, ça va. Arrêtez votre tir. C'est clair qu'on s'ennuierait sans toi, quoi. Arrêtez votre tir. Ça arrive à tout le monde de tomber sur du mauvais matériel. Puis ça se trouve, c'est juste un court-circuit là-dedans. Enfin, c'est ce genre de choses qu'on vérifie avant. D'abord, il vient d'où, tant pis. Là, c'est un modèle de démonstration. Je suis allé au salon de la musique et puis j'ai sympathisé avec le type du stand. Puis il me l'a prêté, voilà. Tu vas être content quand tu vas lui rendre. Ah, plutôt, ouais, tiens. J'en connais d'autres qui vont être contentes. Sur les filles, quand elles nous verront. Ah ouais. Lali va être ravie. Ouais, elle aussi. Non, mais arrêtez! On dirait qu'elles vous font peur. Non, mais c'est pas le sujet, mais regarde de quel état on est, franchement. Et alors? C'est notre problème. Et moi, je vais rentrer, je vais me changer, et puis je vais donner mes affaires à laver à Bénédicte, puis voilà, c'est la vie, hein. Moi, je vais rentrer, je vais raser les murs. Hein? Pour que Lali me voit pas. Christophe, tu les entends? Hein? Tu vois que ça n'a pas que des inconvénients d'être célibataire, finalement. Ouais, peut-être. Enfin, je serais bien fait consoler quand même. Non, mais vous vous rendez compte? Mais c'est un miracle ce qui nous est arrivé. Non, mais c'est vrai. Déjà, tomber sur le mec qui achète exactement la même chemise que José avait achetée aux États-Unis, on avait une chance sur mille. Une chance sur mille, qu'est-ce que je dis? Une chance sur 1 million. Ah ouais, ça, c'est sûr, t'as raison. On doit avoir des petites fées qui veillent au-dessus de nous. Oui, eh bien, merci les fées et surtout, continuez. Hein. Tu devrais la laver, non, avant de la donner à José? Mais oui, bien sûr, Hélène, avec du zéro, hein, pour bien raviver les couleurs. Non, mais je crois que cette fois-ci, c'est bon. Demain, je la fais nettoyer, c'est beaucoup plus prudent, toi. Même si elle est un peu sale, c'est pas grave, hein. Ouais, là-dessus, je crois que t'as raison, quand même. On dit que la fille, ça fait un moment qu'elle est là-haut, Lali. On pensait pas qu'on devrait aller voir, non? Oh non, mais ça va, il a pas l'air féroce non plus, hein. Puis bon, faut lui laisser le temps de choisir la chemise qu'on lui donne en échange. Mmh. Oh, vous avez vu sa tête quand on lui a demandé de lui donner sa chemise? Bah. Oh, c'était trop drôle. Non, mais tu plaisantes, mais il a eu une chance inouïe. Non, mais 4 jolies jeunes filles comme nous qui lui adressons la parole pour lui donner une chemise en échange, mais c'est inespéré pour lui. Ça y est, il en a trouvé une qui lui plaît. Ouais, ça y est, elle est super. Ah ouais. Oh, oui. Ouais. Dis donc, t'en as mis du temps. T'es sûr que t'en as pas profité un petit peu? Tu plaisantes ou quoi? T'as vu la tête qu'il a? En plus, c'est un vrai pot de colle. Mais merci 1000 fois, quoi. Vous m'avez sauvé la vie. Mais de rien. Après tout, c'est qu'une chemise. Et puis bon, vous êtes très sympa. Vous pourrez se revoir, non? De temps en temps. Ah oui, pourquoi pas, oui. Bah, seulement, on n'a pas beaucoup de temps, on est étudiante. Oh, mais y a pas de problème. Moi, j'adore les étudiantes. Et puis en plus, vous êtes très mignonne. Ouais, ça, on le sait. Merci. On nous le dit souvent. Vous m'offrez pas quelque chose à boire? Ben, c'est-à-dire que... on a des petits fiancés? Pas de problème. Je suis là, moi. D'accord, j'ai compris. Alors voilà, nos fiancés, ils sont très jaloux. Et puis, il y a un truc qu'ils détestent par-dessus tout, c'est de voir des inconnus dans leur maison. Ah oui, et puis, c'est terrible. Ils sont plutôt du genre costaud, vous voyez ce que je dis? Oui, ça, c'est vrai. Elle a raison. Mais pire... C'est très nerveux, mais nerveux. Vous voyez, la dernière fois que le mien s'est énervé, la personne a fini à l'hôpital. Hein. Oh.
Bon, ça c'est sûr, il a regretté après. Mais bon, c'était trop tard. Ah ouais, à ce point, c'est... Ah oui, oui, mais la seule chose que j'ai pu faire, c'était de lui payer le dentiste. Et Nicolas lui avait cassé toutes les dents. Ah, ses dents. Vous voulez boire quelque chose? Écoutez, vous dérangez pas, j'ai un rendez-vous et je m'en vais. Hein. Salut les filles. C'est pas très gentil, mais il était collant quand même. Non, mais attends. L'essentiel, c'est qu'on ait récupéré cette chemise. Le reste, c'est pas grave. Et les filles, merci pour tout. Hein. Oh bah. De rien, tu parles, on a eu de la chance, hein, c'est tout. Salut, c'est nous. Bah, salut. Salut. Bah, dis donc, qu'est-ce qui vous arrive? Mais c'est quoi, là, sur vos vêtements? Sébastien, regarde-moi. On dirait un épouvantail. José, mais t'as jamais été aussi sale que ça, mais qu'est-ce que c'est? Birk. Bon, les filles, vous énervez pas, on a eu un petit problème au garage, mais c'est pas grave, on va faire notre lessive nous-mêmes, de toute façon. Ouais, ouais, on a acheté de la lessive zéro, ça lave encore plus blanc et ça ravive les couleurs. Un garçon et une fille qui se sourit, un regard échangé, un soir d'été. Deux enfants du même âge qui s'aiment sur une plage.